Oui, bonjour tout le monde. Donc, Xavier Annick pour la Guyane, l'UTG. Nous combattons notre forme puisque nous avons notre désert médical. Comme notre désert médical, autant derrière qui la Martinique, on gagne 1200 infirmières. On gagne 300 infirmières pour 300 000 habitants libérales. C'est bien entendu. 300 infirmières pour 300 000 habitants. Ouais. Wow. Donc nous déjà en bacanal. Ouais. Évidemment que les obligations vaccinales, nous montons au créneau tout de suite. Nous déjà au combat avant ça, début 2020, parce que justement, nous déjà ressenti qu'il y avait des mal tout. Nous avons 11 lits de réanimation en Guyane avant la crise Covid. 11 lits, on est toute la Guyane pour 300 000 habitants. 11 lits de réanimation. Nous faisons une première grève côté Diffé Palais devant la préfecture, puisque il n'y a pas de télé-ressources, nous, pas les bagages. Suite à sa mobilisation, nous passons de 11 lits de réanimation à 60 en moins de 3 mois. Covid fini. Nous mettons tout nous l'hôpital en branle-bas de combat, le secteur du médico-social. Mais comme nous des gens en bacanal, la pression était trop haute. Au bout de 3 mois, donc de août à novembre 2021, passe sanitaire qui obligation vaccinale pas existante dans ces hôpitaux. Le directeur y a été regardé des plafonds, il était regardé à terre. Il n'y a pas de vraiment des pessants encore. Il est dit l'ARS qui ne peut pas appliquer. Ce qui fait qu'en Guyane, dans le secteur de l'hôpital, il y a moins de 20 suspendus. Donc nous faisons une opération qui permet l'ARS aussi de rester tranquille. Hein, au niveau de l'hôpital Kourou, nous avons 50% de syndiqués dans l'hôpital Kourou. Nous décidons de bon matin de faire l'application de l'obligation vaccinale. Nous mettons nos codes d'Europe et nous filtrons. Si vous partez, on passe sanité, on partez. 30 salariés entrés. Le lendemain, tout est fermé. Tout est fermé. Discussion finie. Discussion finie. Après, il a utilisé des moyens, il a mené nos tribunaux. Dans les divers plans. Donc, nous pas gagner sa chance ça. Nous avons route des avocats qui sont bon nous, mais nous pas gagner sa chance. Nous avons Martine Guadeloupe, qui est des avocats qui militants, qui ont bon autres, qui ont pris des autres mains fortes, et puis dès qu'il y a eu des autres qui ont pris des moins fortes. Mais nous avons deux, trois avocats qui quand même accompagné nous, qui fait que nous arrivons à défendre nous. Le problème, c'est que la répression n'est pas allée après. Donc, on a fait ça, il faut sentir la répression. Car la vie d'ailleurs. Et là, la répression fait sous toutes les formes. Il a emprisonné 4 camarades pendant 5 mois pour une feu de palette qui est feu de pneu. Donc, à base de juste trop petit détail dit procès. Alors, premier procès, procureur qui a venu, qui a dit il gagne, écoutez bien, il gagne 2 vies. De 130 000 euros de dégâts pour réparer dans la préfecture. 130 000 euros. Et qui a fait appel, il est franc, mes camarades, quand même. 18 mois. Il est franc, mes camarades, pour 18 mois. Appel, des mois plus tard. Procureur, même procureur à Gavini, à présent, c'est qu'à présenter des factures. De 30 000 euros. Ah. Mais il met une camarade à la journée pendant des mois. Où il est fini par réviser les situations et il est libéré parce que nous allons en cassation. Donc, juste là de ces camarades, il y a un jugement pour qu'on fait, il y a en cassation. Pour au final, jeune là, nous avons une facture finale. Parce qu'un bâtiment protégé, monument historique, 3 000 euros. À la peinture seulement.
Donc là, l'État, il s'est frappé, il a fait ça, il a fait ça, il. Donc la répression frappée côté membre du bureau central aussi. Ils font mes camarades pendant 5 mois. Donc la solidarité opérée. Nous avons des camarades du médico-social qui en grève juste là. Donc la même chose à des liens qui rote syndicat, qui rote association pour l'huissier pas mettre des robes, où il n'y a pas coupé de loyer, il n'y a pas coupé de lumière. Et après, à solidarité pour les bois qui mangent au quotidien. Donc, ça nous-mêmes, l'UTG, quand on a un âge comme ça, c'est qu'il ne faut pas nous attendre en crise. Dorénavant, il faut comprendre que ça qui fait Guadeloupe, Martinique qui met en haut, ça qui fait Guyane, Guadeloupe qui met en haut. Il faut étendre, il faut bien comprendre que dorénavant, donc bien comprendre côté de l'Africa. Et à tuer, ils ont tué. Donc, niveau nous arriver à la lâche de là, à qui vraiment nous poter nos corps, ou des frais, ou des sorts, tous les jours, il ne faut pas nous attendre en crise. Il ne faut pas nous attendre nous des dossiers particuliers. Et pour rejoindre camarades, il faut nous avoir une vision commune pour nous mener ça à combat, les plusieurs fronts. Parce que même moi, il y a des limites en nous, pour diviser nous. Même manière, si demain nous arrivons les lundis, les mardis fait en Martinique, le mardi en Guadeloupe, le mercredi en Guyane, il n'y a pas qui savent, il n'y a pas qui comprennent ça va arriver. Donc aussi une stratégie commune, on laisse ça, il faut nous mettre en place. On les a fait colonialisme qui a matin. Donc pour remercier en tout cas les frères de cette invitation. Et puis. Combat pour en finir. Pour continuer avec M. Jean-Jean le GDM, en tout cas, vraiment, grâce depuis 1992, je vais dire que nous viendrons entre Guadeloupe, France et Guyane. 1992. Oui, ça, c'était une photo faite.